chacun de nous a reçu un don. Oui. C'est quand Dieu crée l'être humain. Dieu te crée en te donnant un don. Et ce don, pour que tu vives de sa vie, il faut déjà le savoir. Mais les gens, comme on dit toujours, on envie toujours ce que l'autre fait. On a toujours, c'est-à-dire qu'on n'aime pas peut-être ce qu'on est, mais on veut être l'autre. On veut être à la place de, l'autre. Tout en négligeant ce qu'on est. Alors c'est pour cela, voilà, la première raison de ce message. Oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir assumer le don qu'on t'a donné. Il faut faire bien ce que c'est ton métier. Quand tu es dans un certain domaine, oui. Exerce le bien. Si vous êtes communicateur, exercez. Faites-le avec professionnalisme. Avec professionnalisme, avec amour. Voilà. Et vous vivrez de ça. Si vous êtes artiste, faites bien votre travail et vous allez vivre votre métier. Tout à fait. Donc, et puis maintenant, il y a un autre volet. Un autre volet de ce message. Oui. Pourquoi même cette chanson la sort? Je suis allé à un mariage. Et j'ai commencé à chanter dans la nuit. Pendant que je chantais, il y a eu une grosse pluie qui a commencé. C'est-à-dire, j'ai remarqué, vous savez que quand il pleut, les gens vont plutôt s'habiter. Mais pendant que je chantais, au lieu que les gens fassent s'habiter, je venais plutôt danser sous la pluie. Sous la pluie. C'est-à-dire, il y avait. Vous étiez au pied du podium. Au pied du podium, partout dans la pluie, il y avait plus de 5000 personnes à ce mariage. Donc, c'était un très. Et la pluie n'a pas été un obstacle. Lui n'a pas été rien arrêté jusqu'à ce que la pluie est finie, la boue, c'est-à-dire dans la boue, il y en a même qui ont séché, mais était toujours dans la boue en train de chanter, en train de danser. Voilà. C'est pour cela que j'ai eu cette inspiration. Si ces gens se dansent dans la boue, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils cherchent. Ils cherchaient quoi? Ils cherchaient la bénédiction de Dieu. John Duchamp vous a donné des conseils.